Et m'a dit un gros bonjour, un gros bonsoir à chaque monde qui va regarder pour cette vidéo ça. Aujourd'hui c'est mardi 15 octobre 2024. M'a fait vidéo ça pour parler avec peuple haïtien en général. Peuple haïtien calé genou pas occupé moun qui fait nous faire mauvais bagaille qui a des gros répercussions et qui sous peuple là. Maintenant, des gens qui ont pu manifester 17 octobre qui ont venu là. Évitez d'attaquer les citoyens dominicains. Évitez d'attaquer l'ambassade dominicaine. Vous comprenez ça? Je connais une équipe qui tête en bas qui va venir dire barbecue père dominicain, bagay ça. Là, vous pouvez faire une force, vous pouvez faire une faiblesse. Imaginez-nous si nous attaquons les dominicains, nous tous 10 Dominicains tous les 20 Dominicains. Kounia, si Dominicain qui se domaine yo di, y a tout haïtien. Qui quantité haïtien kap mouri? Al gade pou nou, si Dominicain ou ta décidé tout haïtien, qui quantité haïtien kap mouri se domaine? Jodi an, ki tout moun vle, ki tout pa vle, ou fache ou content, nous même nous se moun kap gouma avec tête nous. Nan sa haïtien là, et pas Dominicain qui la cause misère nous. C'est propre haïtien pareil nous qui la cause misère nous. Parce que au contraire ça c'est domaine affaire haïtien aujourd'hui là, nous sommes peuple qui gagne orgueil. Orgueil nous ta doit fouetter nous et que aujourd'hui pour nous mettre tête nous ensemble pour nous changer pays. Aujourd'hui humiliation américain, français, canadien, dominicain en bas nous ta doit faire nous même haïtien nous prendre conscience et que pour nous dire pour nous changer pays nous. Moi même moi dit nous les m'a répéter nous encore. C'est pas Dominicain qui mettait Haïti dans sa lié là. Nous supposons, en tant qu'Haïtien, réconcilier avec tête nous. Nous supposons, en tant qu'Haïtien, prendre conscience. Nous supposons, en tant qu'Haïtien, nous yon pardonner l'autre. Nous supposons, en tant qu'Haïtien, nous yon chita parler, dialoguer avec l'autre. Nous supposons, en tant qu'Haïtien, apprendre à vivre ensemble. Depuis, nous prenons conscience. Depuis nous réconcilier, nous yon a clot. Depuis nous pardonner, yon a clot. Depuis nous chita parler, yon a clot. Depuis nous vivre ensemble, Haïti a la paix, Haïti a sécurité. Et depuis Haïti a la paix, depuis la sécurité, tout Haïtien a quitté la République Dominicaine pour venir la kaye nous. Jodi a, al gade pour nous, Dominicain a déporté Haïtien. Mais, yon pa man informé Garcia Delva. Garcia Delva vole pile l'argent. Nan on a li a investi en République Dominicaine. Jodi a Dominique a déporté li pa mwen famille Jocelyn Brivet. Parce que Jocelyn Brivet volé l'argent pays a, il fait gros kay en République Dominicaine. Famille Kelly Sébastien. Dominique pa mwen el parce que Kelly Sébastien gen l'hôpital en République Dominicaine. Et puis pour qui ça c'est nous-mêmes jodia nèg a vinn mettre peuple devant pour peuple prendre la rue s'il vous plaît peuple haïtien n'a manifester contre dirigeant pas nous yo mais éviter attaquer ambassade dominicain n'a demander tout peuple là pour nous éviter attaquer citoyen dominicain parce que c'est pas dominicain qui met pays à cause ça et dominicain qui vole l'argent c'est RH là et dominicain qui vole l'argent Petrocaribéa. Et Dominique qui mettait des âmes dans le quartier populaire, qui mettait tout bandit, tout gang ça, qui cause des kidnapping, qui cause des insécurité, qui fait haïtien courir quitter le pays à ce domaine. C'est propre dirigeant nous qui crée tout gang ça, qui met insécurité dans le pays, qui cause haïtien obligé courir quitter Haïti à chercher sécurité en République Dominicaine, à prendre humiliation dans les Dominicains. Et je dis à nous, nous allons attaquer Dominicain. Non. Même Jean nous dit, soldats dominicains pas capable était papa de saline non mais nous pas accepter nous pas d'accord avec aucun haïtien pour nous attaquer ni ambassade dominicaine ni citoyen dominicain parce que si nous fait ça n'a mettre la vie des milliers et des milliers haïtiens en danger si nous fait ça n'a mettre la vie des milliers et des milliers haïtiens en danger peut-être ça peuple haïtien. Calé genou. Calé genou.
pour ne pas occuper aucun monde qui va dire nous à l'attaquer ambassade dominicaine à le tuer et citoyen dominicain et puis qu'on a qui va le cause tout haïtien frère nous qui c'est domaine et que pour dominicain tuer tout. On met tête nous ensemble pour changer pays nous. On met tête nous ensemble pour mettre sécurité dans pays nous et que pour tout haïtien qui retourner la caillou. Mon haïtien yo déporté là qui vient côté moi, m'bal ballon ti aide pour l'aller. Fait vidéo ça, moi c'est Jimmy Cherizier barbecue, président et porte-parole force résistance, vive ensemble en famille et alliés, main tout. Merci. Difficile. On salue diaspora qui dans 11e département. Jodi a famille nous, frère nous, sœur nous qui République Dominicaine cap sibi grand attaque dans mes Abinadel. Nous pas dit en pile bagage jodi. Parce que je dis à la que Haïti en deuil. Haïti en deuil, nous pas une responsabilité de l'État que nous-mêmes, en tant que jeunes, qui tapons nos batailles dans le pays, là, en face à Ariel Henry, et nous voyons tout ça clair, nous-mêmes, dans le 29 mars, nous tapons dans le pays, qui hein? A une plateforme, qui a un challenger populaire, CRIPEP, Tête d'Elma, G105 Jida, Force Opposition, nous voyons ce même bagage là. Et je dis, hein? Si. Chaque caille, pas avant nous, chaque de yon pas acheté. Pour qui ça me dit ça? Si je dis à la que Abinadel, tout n'est qui mange l'argent Petro Caribéa, c'est la caille yon lié. Nous pas j'en mouye tout moun yap déporté yon. Mou poko ou ancien sénateur petit yon apetidye se domaine. Ou poko ou madame yon se domaine. Ou poko ou yon voye yon ken yon la dan yon vin la Haïti. Et lorsque m'gade mouye je dis à Abinadel a fait raciste ça, nous même. En tant que jeunes qui parlent de nouvelles classes politiques dans le pays, nous disons qu'il faut que nous réfléchissions. Et nous, on silence qui gagne, quand on série de nègres dans le pays qui a fait l'argent, et qu'on pas qu'ancien ministre sous Joseph Michel Martelly, qui côté yoye, et c'est nommé yoye, ou pas j'en moué côté yoye, prend aucun yon là dans yoye, yoye voye Haïti. Et dans ce sens, je dis, nous éviter toute organisation qui comprend misère moun cité soleil, misère moun belè, misère moun ponsonde, misère moun canapé vert, Debi City Show, Pétionville, Peigné, La Tibonite, Semak, et moun nan non qui va traverser, moun nan site qui va traverser, nous mandé dans quatre coins pays a pour que un bon gens lever campé. En solidarité, ensemble avec tout moun qui victime, c'est le même nan. Et jodi a, nous disons, nous pensons, faut que la jeunesse, comprendre, je dis à ça qui a passé là dans le pays. En 90, 91, rive 2024, combien de temps ça fait nous dans la vie, nous, nous avons souffert, mais ce même cabrit, c'est même primaï. Et je dis, ma voix au signal clair, by tout nek, qui là, nous-mêmes, peut-être que nous annonçons marche ça. Pacifique, Jean-Frère, vous sortez là, on nous connaît, vous besoin de faire des ordres, pour faire l'autre jour. Mais dans le moment ça, nous-mêmes, nous annonçons marche pacifique. Pour nous parler ensemble avec l'ambassade dominicaine, et je dis à vous lever l'ambassade dominicaine, et nous qui représentons nous, l'ambassade nous, qui est République dominicaine, nous ne pouvons pas nous souquer quoi. Nous ne pas dire rien. Et dans ce sens, nous disons, nous avons commencé, place Canapé Vert, nous avons une organisation 109, que nous avons présent, pas qu'une autre organisation pour nous descendre, Bonadcom, pour nous avoir une équipe qui est en bas de l'IA pour nous monter autoroute Boudon, pour nous lancer un message là. Devant l'ambassade dominicaine pour nous descendre devant Bini et tout le monde, Neret, Pétionville, tout le monde, Jean-Robert, prend responsabilité et nous pensons que en gros, c'est ça nous avons dit. Et nous demandons diaspora tout pour tes solidarité avec nous parce que nous n'avons pas personne. Et je dis à nous-mêmes là, nous avons un pile petit nous tout qui a victime ce nom. Et je dis à nous pensons que nous avons à tout le monde, tout secteur, Ongan, Mambo, Maçon Loge, tout le monde, chauffeur moto, chauffeur camionnette. Et son gros jour congélé, tout le monde baleine dans main, tout le monde maillot blanc pour nous capables de porter solidarité. République Dominicaine n'a pas droit de déporter Haïtien dans l'espace qui n'est pas des espaces qui sont des points officiels de passage. Je dis, il y a la guerre de tous côtés. Tous côtés, ils jouent. Ça veut dire qu'ils allaient à l'encontre des accords et traités aussi ensemble. Nous dit, ce n'est pas possible, je dis, pour la communauté internationale, notamment le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, pour ne pas diligenter une enquête précise par rapport aux agissements de la République Dominicaine
et de prendre la disposition qui s'impose. Et nous lançons un appel à la solidarité internationale. La solidarité internationale et des mesures de réciprocité en matière diplomatique. Mesures de réciprocité. Ensemble des pays, tant que Mexique, Colombie, Brésil, Venezuela, Cuba, Argentine, la Russie et tout l'autre pays qui dit pas d'accord avec l'agissement la République dominicaine à travers Luis Abinader, les racistes patentés, pour que vous positionnez et prenez des mesures réciproques en matière diplomatique. Si Abinader pas obtempéré par rapport avec l'agissement, c'est pour nous commencer à appliquer même mesure appliquée à l'encontre des Haïtiens en République dominicaine. Bien entendu, nous pas dit pour violer les droits ou non, mais retourner les Dominicains qui trouvaient de manière illégale aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en République dominicaine, et en Venezuela, Chili, Cuba et la Trier, commencer à retourner au Abinader. Là, il va commencer à jouer une réponse significative. Nous avons demandé pour la classe des affaires en République dominicaine pour que vous preniez des positions claires par rapport aux agissements de la République dominicaine et des présidents dominicains. Sinon, la communauté internationale dans son ensemble doit appliquer des mesures urgentes sur le plan économique par rapport avec quelle que soit activité économique à réaliser en République dominicaine. N'a pas rappelé. 17 octobre, c'est le jour Papa Nation. L'a marqué 218 l'année depuis Papa Nation a gagné un complot fait sous lui. 17 octobre, c'est le jour femme paysanne. C'est le jour paysan. La paysannerie doit camper. La paysannerie doit camper dans tout le pays. Et n'a pas rappelé. Majorité moun k'ap subi en République Dominicaine, c'est paysan yo ye. Sous baza, nous mande chaque participant pour marcher avec drapeau, petit drapeau, pour nous comme symbole national. N'ap mande chaque moun k'ap participe dans marche ça pour que yo mette maillot blanc sou yo comme symbole de solidarité et de paix. Nous demandons pour que dans jour ça n'a demandé l'état ici pour que yo rétabli commencer mettre en place une institution pour rétablir les héritiers directs de Jean-Jacques Dessalines. Et si yo t'a appliqué la politique agraire de Jean-Jacques Dessalines, c'est pas en République dominicaine petite Dessalines yo t'a pral chercher la vie. Et la République dominicaine, c'est dans la plantation et le travail. Pour ça, nous disons qu'il faut qu'on rétablisse Papa Nation en droit et en dignité. Et nous solliciter un procès symbolique pour rétablir Dessalines et rétablir les héritiers directs de Jean-Jacques Dessalines pour nous capables d'identifier côté l'amour Papa Nation en sortie. Et c'est revendication par nous, hein, tout secteur. Et distinctement, porter collé pour que nous baillons une réponse par rapport à ce qui passé. Haïtien, haïtienne, petit monde, grand monde, il y a violé, il y a pas gagné, monde qui protège. Donc, nous gagnons une seule bagaille, c'est solidarité, solidarité, solidarité. Ensemble, qui toujours rend nous et qui facilite nous. Côté revendication population. Je dis, et nous pas seulement tristes pour nous venir parler des objectifs conférence qui s'est annoncé avec tout secteur, tout haïtien en d'un pays ou de un pays, ni avec la communauté internationale là, ça nous va le faire. Objectif nous là aujourd'hui, c'est ouais comment nous pourrons poser une action
symbolique. Une action symbolique face avec compatriotes nous qui a subi violence, qui a subi discrimination, qui je dis à la qui pas veut dire rien dans ce domaine en bas mais Abinadel nous rassembler ensemble diverses organisations de base, nouvelle classe politique là, nouveaux visages, nouvelles têtes qui dans société civile pour nous garder ensemble pour nous poser action ça. Qui s'allier? Objectif nous clair, c'est annoncer population en une marche de solidarité pour que nous poser action ça face avec sa compatriote nous yo a subi dans ce domaine. Comportement Abinadel, ça nous oblige à dénoncer une façon. Et façon, n'a pas dénoncé là, c'est pas même bagaille n'a fait avec une série de Dominicains, une série de monde qui dans le gouvernement dominicain, spécialement Abinadel. Je dis à comportement Luis Abinadel, qui c'est président dominicain, président Saint-Domingue, il n'est pas différent des comportements Adolf Hitler. Tout le monde connaît Hitler, Hitler combien de millions de juifs qu'elle était, combien de millions de juifs qu'elle lui-même était exterminé, il était tué dans le monde là. Tout le monde connaît Hitler dans l'histoire. Si nous avons fait histoire, combien et mille, combien de milliers haïtiens que tout lui-même était exterminé jusqu'à ce qu'il était lagué dans la rivière. Je dis à qui va nous rivière massacre. Côté que dernièrement là, yo t'ap essayé et fait obstacle avec l'eau nous t'ap prend pour nous battre nous la manger. Et bien jodi a tout le monde comprend nécessité et canal ça qui t'ap fait là. Canal là t'ap fait, c'est pour Haïti te gen manger, c'est pour Haïti développer pour que compatriotes nous ça l'ap subi là pour pas continuer à subir. Dans sens ça, nous dit c'est comme si nous est Abinadel égal avec Hitler. Nous dit ça qui a passé là, le fait que nous avons silence qui fait et autour de l'ONU, nous pas attendre rien qui a dit comme ça. Nous pas avoir aucune décision qui prend à travers OEA comme ça. Nous dit est-ce que United Nations pas complice dans ça qui a fait là? Est-ce que l'ONU pas avoir nécessité à obligation pour que lui prend des décisions contre ces domaines suite à sa compatriote nous avons subi. Nous pas besoin de répéter, nous tous ouais sur réseau, ni femme ni garçon, Dominique et Violeo, même étudiant, soi-disant même monde qui a étudié ces domaines, qui a rendu fait l'argent, c'est vrai, connaissance son bagage qui paye dans l'acheter connaissance, mais tout, l'argent, il a fait, il a enrichi tout. Eh bien, dans ce sens, ça, nous comprendre que il y a des étudiants qui sont illégaux, qui ne pas même aller dans l'université. Raison parce que Dominique mandé chaque mois ou bien chaque deux mois pour y aller mettre saut. Un bagage qui pas existé dans aucun côté dans le monde là. Ça veut dire, si vous êtes d'accord, un étudiant qui a étudiant en visa un an, je dis ou pas qu'à rendre pendant visa fini, ou pas qu'à marcher, ou pas qu'à virer. Tout le monde qui travaille dans le chantier ou bien dans l'hôtel, tout le monde est en danger. Et tout haïtien est en danger. Ça veut dire que tout Zak qui a subi là, c'est des Zak Baba que Luis Abinadel, lui-même, ensemble avec une série de monde dans le gouvernement, là, promet. Nous-mêmes, comme monde qui a visé, comme peuple qui civilisé, nous ne pouvons jamais commettre action que nous avons posée sous frère nous, sous compatriotes nous dans ce domaine. Alors pour nous donner une réponse, nous demandons concours international là. Nous demandons concours l'ONU. Nous demandons concours OEA. Nous demandons concours tout pays tant que Brésil, Chili, Venezuela, en pile l'autre pays qui tant que la Russie et tout pays nous connaît qui ont respecté monde qui ont respecté humain qui bien question droits humains là-dedans qui a pas appliqué. Et bien dans ce sens ça, nous annoncer massa pour 17 octobre. C'est une initiative commune qui prend, j'aime dire, par diverses organisations, divers secteurs dans la société civile là, pour nous faire une réponse
et pour demander avec l'international, là, spécialement l'ONU, OEA, pour saisir des questions, surtout le commissariat l'ONU, pour que yo au moins fait Abinadel suspendre avec Zak Abitre Sayo, avec Jean de Akbabari Sayo, qui va exister dans le monde là encore, qui comporte tête même Jean Aïkler, qui comporte tête même Jean Atulio, qui t'a tué près de 52 000 Haïtiens. Et bien, je dis, nous dit Abinadel, peuple haïtien, monde là, pas de gens de bagarre à KX. Tout le monde connaît les abdes portés, les gens qui ont nommé sa fête. Nous ne pas empêcher les gens de contrôler le pays. Yo. Mais, là, on sorti de un côté de Babalo avec pour arriver sous frontière dans Wanamet, nous avons fait 5 ans de campé. C'est comme si ça était fait dans Négrier, là, on a venu avec nous ici, Abinadel fait plus mal. Abinadel, fait un bagage que peut-être que l'esclave n'y a pas subi. Parce que tant avec tant longtemps, tant qu'on y a, c'est des bagages différents. Dans ce sens, le match a commencé en bas lumière la lumière. Et quand on a fait un bon site, tout cap descend en bas lumière la lumière. On a déplacé, on a monté le bouton droite, on a privé devant l'ambassade et Saint-Domingue pour nous lancer un message. Après, on a continué pour nous aller devant. Et Bini pour nous lancer ce message-là, pour nous parler. Nous avons un message clair pour une série de gens, soi-disant qui sont des traîtres, ou bien des gens qui continuent à faire Haïti mal, ou bien qui continuent à supporter Dominique. Nous avons dit que le match qui est fait là, c'est un match pacifique. Le match qui est fait là, 17 octobre 2024, là, j'ai dit qu'il y a une nation, un match pacifique. Il y a des gens qui viennent tirer roche. N'a déjà connu ce travail dominicain, ce travail Louis Abinadel ou vient faire contre compatriotes qui sont dans ce domaine. Yo moun qui vient craser vite machine, n'a déjà connu ce travail tout dominicain qui raciste, toute l'autre nation qui raciste cap et passer compatriotes nous en papier ce travail ou vient faire. Dans ce sens ça et côté que nous gagnons un ensemble de compatriotes, frères nous, sœurs nous qui malheureusement a cherché la vie dans le pays voisin, et jodi an, y a subi des actes inhumains, xénophobiques, discriminatoires, et qui allaient à l'encontre de l'ensemble des dispositions conventionnelles et légales ratifiées par les deux États. Notamment, nous connaissons vers les années 90, gagné un accord qui signait entre deux pays. Non, à quoi ça? Ils prévoient un ensemble de mesures de protection à l'égard des migrants. Et on a fait précision ça, matin, pas gagné déportation, gagné expulsion forcée, gagné violation flagrante des droits fondamentaux à la personne humaine. C'est ça qui a passé là. Là, nous dit déportation. Nous dit c'est comme quoi ils ont respecté ensemble les dispositions tracées par les accords traités ratifiés par les deux États. Ces précisions ça nous a fait. Nous songeons vers les années 70, ils ont signé un autre traité encore. Et en dans traité ça ils ont dit sous aucune forme ils n'ont pas gain droit déporter yon haïtien sorti en République Dominicaine pendant la nuit. Yon pa gen droit déporter yon haïtien pour séparer avec famille. Et jodi an ki sa k'ap fait, n'ap constaté avec un pile tristesse côté que gen des femmes enceintes, côté que des femmes qui nourrissent, côté que gen des moun qui gen des ti moun l'école, gen ti moun en bas âge. Côté que vous avez des parents, vous expulsé, vous gonflé dans des camps de concentration, même genre, camarades, nous c'était dit tout à l'heure. C'est des camps de concentration qui sont en République Dominicaine. Ce n'est pas des gardes à vue. Côté que vous avez des mesures de protection, côté que vous avez des mesures d'accompagnement, côté que vous avez des manger, vous avez des bruits. C'est des camps de concentration côté que yo empilé yo dans des espaces sans manger, sans baigner, sans boire, sans aucune mesure de protection. Nous-mêmes qui c'est monde qui conscient en dans pays
qui révolté par rapport avec une telle action. Nous pas vinn plaindre devant la République dominicaine. Nous vinn rappeler li gagné obligation pour respecter convention, accord et traité li signé par rapport avec protection des droits humains. Gagné accord qui signé sur le plan international par rapport avec la traite des personnes qui dit ou pas droué sous aucune base, sous aucune forme, appliquer des mesures inhumaines à l'encontre des personnes humaines. Eh bien, ce n'est pas ça qu'a fait en République dominicaine. Mais je dis, hein, nous ne pouvons pas dire République dominicaine pour que les Haïtiens la caille, si vous trouvez de manière illégale sur le territoire. Nous disons qu'il faut qu'ils respectent les droits de chaque Haïtien et chaque citoyen de manière indistinctement qui trouvent sous territoire. Nous lançons un appel fort avec responsables et dirigeants haïtiens pour nous dire si nous prenons responsabilité, nous en même, nous créons un ensemble de conditions pour Haïtiens travailler, pour Haïtiens capables de reproduire tête sur. Ce n'est pas en République dominicaine qu'ils ont subi des humiliations. Ce n'est pas en République dominicaine yo t'ap pral subi toutes mesures inhumaines sa yo. Nous dit jodi chaque grain haïtien de manière distincte doit prendre responsabilité par rapport à ça qui a passé dans le pays. Si les massacres ont été réalisés pour la première fois non cité soleil les ont réalisé dans grain ravine et chaque côté dans le pays nous t'ai campé. Jodia, ça qui passe pour son déal, pas ta privé. Ça qui passe à Gaïal, pas ta privé. Pays a pas ta poitré dans tout côté. Et jodia, haïtien, ou ta à l'aise pour retourner dans le pays. Nous demandons au gouvernement haïtien, dans le plus bref des délais, pour que gagnons une réponse significative qui baille avec la République dominicaine. Pendant, nous demandons pour mettre des mesures d'accompagnement et d'assistance pour Haïtiens. D'ailleurs, pour mettre des machines sous frontière là, pour recevoir Haïtiens.